Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo tier list meilleur team à avoir à reroll sur Tokyo Ghoul Break the Chain. Après avoir tryhard le jeu, je suis à l'heure actuelle niveau 34, j'ai bien XP, mes unités sont, la plupart d'entre eux sont entre niveau 60, plutôt 50 et 65. Le niveau max, si je ne dis pas de bêtises, c'est 80... 85. Dans tous les cas, je vais bientôt le débloquer. Mais là, on va pouvoir faire et établir la tier list pour les meilleurs teams. Pour justement éviter les erreurs. Moi, ce que j'ai fait, vu qu'il fallait que je teste les trois quarts des personnages, je les teste avec les amis et j'ai également augmenté la totalité de mes personnages. À l'heure actuelle, comme je vous le dis, ils sont entre niveau 50 et 65. C'est suffisant pour faire les premiers tests. Et vraiment... Il y en a, faut vraiment, mais vraiment pas focus. Bref, on va voir. On commence justement avec Uta. Comme vous le voyez ici, je ne l'ai pas débloqué, mais je l'ai testé. D'ailleurs, avant de commencer, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. On continue. Alors, le point positif de Uta, c'est que c'est le Gozer vert. C'est, pour ceux qui ont joué à Nanatsu, c'est Gozer vert. Alors, si c'est votre premier jeu dans ce style-là, c'est un jeu de cartes, tour par tour, où vous allez avoir la possibilité de fusionner des cartes pendant le combat. Et derrière, selon le niveau d'étoile de votre carte, vous allez faire plus de dégâts et vous allez soit mettre plus de malus, soit vous allez plus vous buff, ou sinon vous allez faire plus de dégâts. Ou sinon les trois, pourquoi pas les trois? Il y a des persos qui font les trois. Et du coup, pour cette unité... Ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le nombre d'étoiles, plutôt le niveau des cartes. Et il va également derrière augmenter, comme vous l'avez lu, les stats basiques de tous les alliés de 8% pendant 2 tours. Sur la compétence niveau 3. Là, quand c'est sur 2 étoiles, c'est 5%. Et là, c'est 5% pour 1 et 2 étoiles. Une fois 3 étoiles, une fois que vous augmentez à 3 étoiles, ce qui se passe, c'est que déjà vous cumulez un tour supplémentaire et vous gagnez 3% de stats supplémentaires. Et ça, c'est vraiment broken. Concernant les différents passifs, là, les différents passifs n'incluent pas du tout le nombre de doublons. Ça, c'est quelque chose qui se farm. Ça, c'est pas quelque chose de très très fort. Du coup, on va passer. Mais rapidement, quand c'est le dernier perso à rester en vie, il fera sur sa prochaine compétence, sur sa prochaine attaque qu'il utilisera, il fera des dégâts équivalents à 180% d'attaque. Bon, c'est pas ouf. Ça, c'est pas mal, mais généralement, ça va être intéressant à partir du skill 6 et du dernier skill. Du coup, là, c'est quoi? Niveau 9? J'ai pas de PC, c'est niveau 9. Bon, après ça, bien sûr, ça regroupe tous les personnages. Les trois quarts des personnages ont ce passif là, niveau 9. Ça, c'est la première unité à focus. La deuxième unité à focus, vous allez avoir le choix entre justement, en termes de DPS, lui, qui est bleu, ou encore lui. Mais moi, je vous dis plutôt. Si vous avez la possibilité de focus les deux, c'est bien. D'avoir les deux, c'est encore mieux. Mais lui sera le counter de Kaneki. Tout simplement parce que ça joue sur la couleur. Lui, il sera de type speed, du coup vert. Et Kaneki sera de type bleu. Et lui, comme je vous dis, c'est le meilleur DPS vert. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vu que c'est une unité que j'ai. Sur son premier passif... Augmente les PV max de 5% et supprime tous les debuffs sur 3 tours. Qui plus est, quand on augmente les compétences ou quand on prend les dégâts, on fera davantage de dégâts. Et c'est accumulable, excusez-moi, c'est cumulable 6 fois. Pour le second passif que j'ai débloqué avec lui, prendre des dégâts. Sur
Flaming Blood, bon, la traduction, là on va utiliser la traduction pour ce mot spécifique. Alors, l'attaquant aura bien sûr un retour de dégâts équivalent à 30% des dégâts reçus. Voilà. Le niveau 6, quand les PV sont à moins de 35 ans, votre barre, vous allez tout simplement réduire la réduction. Bon, là, je me suis perdu un peu. J'ai hésité. Mais ça, c'est un bon point parce que ça va vous rajouter un peu de shield. Et ça va justement vous permettre de changer la donne du combat. Pour le PVP en temps réel ou sinon encore pour la COP. Alors, comme je vous l'ai dit. Il fera des dégâts en fonction de ses PV. Il fera des dégâts en additionnant des dégâts équivalents à 6% de l'attaquant. Ça, c'est broken. Sur les HP. Après, en troisième unité, vous allez avoir Toka. Toka masqué avec le. Avec le masque de lapin. Elle va réduire. Le point fort de ce personnage, c'est qu'elle va réduire la défense. Plutôt, elle va permettre d'augmenter les dégâts subis de 10%. Et ça, c'est broken. Son premier passif qu'on débloque directement une fois qu'on a le personnage. Tous les debuffs sur les ennemis. Toute la team infligera 1,5% de dégâts supplémentaires et subira moins de enfin subira 1,5% de dégâts en moins. Et ça peut se stack jusqu'à 10 fois. Du coup, faites le calcul, c'est broken. Amplification de dégâts. Vous voyez, améliore les dégâts sur deux alliés aléatoires de 10% sur 2 tours. Sur le troisième passif, fait subir des dégâts à l'équivalent de 150% d'attaque quand les debuffs expirent sur l'ennemi. Et peut être réutilisé 4 fois dans le tour. Plutôt 4 fois, 4 fois. C'est broken. Bon, ça, on le connaît. Ah non, là, c'est différent. Ok. On gagne un power burst infligeant deux random. Infligeant des dégâts à deux random ennemis. Du coup, deux ennemis aléatoires sur deux tours. C'est broken. Le niveau 9 de ce perso-là est vraiment broken. Après, elle a également son frère. Son frère fait plus ou moins la même chose. Et n'oublions pas que c'est des dégâts de zone. Hein. Lui, il va ignorer la DF. Bon, c'est pas ouf. Deal des dégâts à tous les ennemis équivalents à 100% de l'attaque et applique justement de la létalité sur un tour. La létalité permet d'annuler tous les effets de soins. C'est broken. Au début de son tour, il augmente le taux de critique de 15% de un tour si il a pris deux dégâts juste avant, sur le tour d'avant. Ça aussi, c'est broken. Il met cet effet également sur tous les ennemis. Pour un tour. Après, ça va un tour. On passe à l'avant-dernier personnage qui est un tank vert. Ce perso est super intéressant. Effet. Il met un malus qui est de la provocation, du coup, l'oblige les adversaires ou l'adversaire à l'attaquer.
Et derrière, il a un shield qui est l'équivalent de ses 15 qui est l'équivalent de 15% de ses PV max. Et c'est ça qui est broken. On vient de le lire. Toutes les compétences qui réduisent les enfin toutes les compétences qui vont réduire le taux de critique de 4% et de dégâts critiques de 8% pour tous les ennemis sur 2 tours. C'est broken. Les dégâts subis sur une seule compétence ne seront pas au-delà des 30 PV max. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est le tank à avoir. Comme je vous dis, soit Kaneki, soit ça. Après, vous pouvez également avoir ce personnage qui est un buffer et qui va augmenter les stats basiques de tous les alliés. Ce personnage, c'est une version un peu soft de Uta. C'est pas ouf ce qu'il fait. Mais même si c'est pas ouf, on n'oublie pas que la compétence 3, du coup, le niveau 3 de ses étoiles, va rendre invulnérables les joueurs, plutôt les alliés, face aux debuffs. Du coup, tout ce qui est réduction de dégâts, augmentation, enfin, réduction de défense, réduction d'attaque, de critique, etc. Mais elle va permettre d'être immunisée et d'immuniser ses alliés face à ce type de personnage. Après, vous avez ce personnage qui frappe en zone qui est pas mal, qui est Noro, et vous avez également Mado. Alors, Mado, vu que je l'ai. Mado DPS zone intéressant. Mais pas forcément indispensable. Là, vraiment, les persos qui seront à focus seront la chouette, Toka. Si vous voulez du soin, pourquoi pas. Mais après, vraiment, Uta, la chouette, Kaneki. C'est vraiment les trois persos à focus avec les deux frères jumeaux. Enfin, frères et sœurs jumeaux. Qui sont Toka. Et j'ai oublié son blaze. Ayato. Toka et Ayato. N'oublions pas que vraiment Uta, c'est vraiment l'unité à focus obligatoirement. Vraiment. Et waouh, comme je l'ai dit, très intéressant. J'ai pu le tester et j'ai pu jouer contre. Problématique, très énervant avec son shit qui peut justement le mettre sur tous ses alliés. Derrière, la provoque. Le perso est extrêmement intéressant. Lise, au cas où si vous n'avez pas drop Kaneki pour la team bleue, elle pourrait être intéressante. Mais malheureusement, il y a pas mal de conditions. Même si elle réduit la speed, enfin, même si elle réduit la défense, si je ne dis pas de bêtises, ah, bon, c'est pas ouf. Pas ouf. Pas ouf, elle reste quand même un peu squishy. Voilà, elle est intéressante à partir du niveau 6 ici. Et là, vu que je peux pas le débloquer, mais le niveau 6 des étoiles, et ça, faut avoir pas mal de doublons. Faut avoir du coup 6 doublons. Des persos à éviter, parce qu'ils sont vraiment sous énormes conditions. C'est des persos comme ces deux-là, les deux sœurs jumelles. Les deux sœurs jumelles, si vous n'avez pas des debuffs sur les adversaires ou des gros buffs sur vous-même, ben malheureusement, les unités ne font pas beaucoup de dégâts et seront juste des punching balls pour les adversaires ou pour les ennemis. Cette unité, je l'ai montée, je regrette. L'unité n'est pas intéressante, n'est pas folle. Mais ça va. Enfin, non, pas du tout. Ça va pas du tout. C'est pas un perso qu'il faut avoir. Ça, c'est un bon perso. Parce que ça frappe en zone, il a du vampirisme. À part ça, il n'a pas grand chose d'autre. Il n'a pas grand chose d'autre.
Même sur ses break limites, c'est pas ouf. Pas ouf. Star Up. C'est ça que je voulais voir. Vous voyez par vous-même que c'est vraiment pas intéressant. Ok, le plus 3. Ouais, c'est vraiment pas ouf. C'est 3 skill 6, quoi. C'est pas ouf. À part augmenter du vampirisme et augmenter des dégâts. Pas ouf, c'est pas ouf. Lui, on va aller le voir. Star Up, d'ailleurs. Voilà. J'ai eu un doublon, c'est un perso que je n'ai jamais joué. C'est pas ouf non plus. Et le 6. Voilà. Ça, c'est des. Vraiment, ces deux unités que je viens de vous montrer, c'est vraiment des unités qu'il faut pas privilégier. Faut vraiment pas privilégier. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ah si, j'ai oublié de vous parler de lui. Il est extrêmement fort. C'est une version soft de ce personnage. Mais qui est plus fort, qui va le rendre plus fort parce que justement, ça a contre-chip. Le rouge a l'ascendant sur le vert. Le vert a l'ascendant sur le bleu et le bleu a l'ascendant sur le rouge. Il m'a posé problème sur le PVP. Il m'a vraiment posé problème sur le PVP. Je l'avais complètement oublié. Mais il va mettre une provoque et réduire les dégâts subis de 20% sur 2 tours. Et ce perso est vraiment pas mal. Il est correct dans son ensemble. Même si je préfère le kit justement des Yowao. Lui. Mais n'oublions pas, Outa en priorité. Outa en priorité, la chouette. Uka. Si vous arrivez à drop Mado, c'est encore mieux. Un bon support. Elle fait un bon support, mais il lui faut du bon stuff qui suit derrière. Et il lui faut du break. Il faut ça également. Le niveau 3. Non, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous allez utiliser sa compétence ultime, enfin, quand vous allez mettre sa compétence niveau 3, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre les dégâts subis de vos autres, des autres alliés. Et elle va prendre les dégâts. Du coup, elle va les subir. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. Réduit les dégâts subis de 45% pendant 2 tours et redirige 50% des dégâts subis des autres alliés sur elle-même. Et le problème, c'est que elle n'a pas beaucoup de défense. Elle est un peu squishy. Elle peut facilement se faire one shot, surtout si c'est des dégâts de zone. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu ou d'autres jeux. Et principalement sur Black Clover Mobile. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.